Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super. J'espère surtout que votre journée s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui sort du commun. Je sais pas si vous êtes au courant, mais nous les youtubeurs, nous avons accès sur notre panel, voilà, de gérance de la chaîne YouTube, de gestion plutôt. On a accès à la liste de tous nos abonnés qui montrent leurs abonnements. Donc voilà, vous avez ici le panel avec tous les abonnés qui montrent leurs abonnements. Et je peux les trier non seulement du plus récent au plus ancien, mais je peux surtout les trier en partant des plus populaires. Et du coup voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va voir quels sont mes abonnés les plus populaires et surtout à l'étranger. Donc voilà, ça c'est mes abonnés les plus populaires. Donc comme vous pouvez voir, voilà le numéro 1 de ma chaîne YouTube. Le numéro 1 niveau abonné avec le nombre d'abonnés le plus populaire, c'est monsieur Le Tatou, anciennement appelé Les Questions Con. Après en France on a David Lafarge Pokémon, Unster Beecher, Dylan Del Rey. Et du coup je vous propose aujourd'hui qu'on découvre surtout ensemble quels sont mes abonnés étrangers qui pèsent un peu dans le game. Alors du coup le premier étranger c'est monsieur Shadow Priestok. Donc le mec apparemment c'est un russe, il a quand même presque 700 000 abonnés, c'est GG quand même. Alors par contre j'ai aucune idée de ce que veulent dire ces titres. Ah d'accord, on a des miniatures avec des meufs en skin à poil, pourquoi pas. Alors voyons voir, attention, on prend un de ces titres. Google Traduction, c'est génial. Saucisse, AT, Minecraft, baf, complet. Waouh, merci Google Traduction. Google Traduction, c'est génial. Tiens là il y a des TNT, voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Non, je t'ai dit, je peux les tiennes. Pourquoi est-ce que tous les Russes ont ce besoin de crier? Bon, après, c'est vrai que je crie beaucoup. Mais pas non plus comme un cochon qu'on égorge, quoi. Ah, d'accord, il fait du Who's Your Daddy lui aussi, d'accord. Alors, voyons voir un petit peu ses vidéos les plus populaires. 2 millions de vues. Ah, ouais, pas mal, le mec pèse. Ah, ouais, le mec il a percé, ouais, avec, ouais, la Five Nights at Freddy's et Who's Your Daddy. D'accord, pas mal. Ah, il en a quand même un sacré paquet au-dessus du million. Ah, c'est vrai qu'en Russie, quand même, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en Russie, Minecraft, il paraît que c'est genre ultra, ultra développé. En tout cas, mon petit Shadow, je te fais des bisous si tu me regardes. Voilà. Alors, ensuite, nous avons Swan the Voice. Les Pizza Guy qui sont tous les deux français. Nous avons monsieur Eclipse qui lui, si je me souviens bien, est un youtubeur Clash Royale anglophone. Pas mal. Alors nous avons ensuite monsieur KFRMC Todo Sobre Minecraft. L'accent est absolument pourri. Donc c'est un espagnol apparemment, si j'ai bien compris. Je ne parle pas du tout espagnol. Ah d'accord, lui aussi fait du Who's Your Daddy. Mais en fait tous les mecs qui font du Who's Your Daddy s'abonnent à ma chaîne ou quoi? Ah ouais, les mecs sont vraiment à fond Who's Your Daddy quoi. Des petites fesses et des Lucky Blocks, pourquoi pas. Et j'aime bien parce que le mec, tu sais, il entoure un coude, tu sais, alors qu'il sait pertinemment que tout le monde va regarder les fesses. Alors voyons voir un petit peu ses vidéos les plus vues. 3 millions de vues, oh my god. Ah oui, quand même. C'est marrant ce type de miniature genre entouré comme ça là. What the fuck. D'accord, non mais pourquoi pas, ok. What? Mais attendez, mais je rêve. C'est un complot. What the fuck? Regardez ça. Attendez, mais je suis pas fou. Regardez-moi ça. Les vidéos les plus populaires il y a 4 mois chez ce mec. Et là, regardez, l'espagnol, vidéos les plus populaires il y a 3 mois, exactement la même miniature. Attends, mais c'est le même mec ou quoi? Je comprends plus rien. Et là, regardez, c'est la vidéo la plus populaire de KFRMC. Et là, regardez, vidéo les plus populaires ici. C'est la même il y a 2 mois et celle-là, elle sort il y a 2 mois. Mais what? Attendez, mais c'est chaud là. Let's get into the news. Et là, regardez, le mec a quasiment la même miniature pour un truc de cobblestone qu'ici, regardez. C'est un truc de fou. Alors là, franchement, c'est un truc de ouf. À la base, je voulais juste vous présenter mes abonnés les plus connus, voilà, pour rigoler un peu. Et là, au final, ça part sur un plagiat inter-abonné d'Agent GB. C'est quoi ce bordel? Mais regardez, non mais c'est un truc de ouf. Regardez ça. Nouvelle difficulté Inferno. Et là regardez sa vidéo la plus populaire. Regardez, elle est où? Elle est là. Et regardez, le mec est là, l'espagnol. L'espagnol, il a même gardé le russe de la miniature. C'est écrit en russe. Ah ouais, non mais là c'est chaud là. À ce point là, c'est chaud quand même. Bon allez, on passe un peu à la suite. Nous avons monsieur Ulas Demir. Alors voyons, ça sent le petit truc de vlog, je ne sais pas quoi. Alors non, c'est du what the f. Y'a une onium. J'en ai une image à bravo. Ok, alors je suis désolé, je ne parle pas ta langue, voilà, mais bon, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un replay de live Google, genre Google Hangout, je sais pas quoi. On va voir un peu ses vidéos les plus populaires. Et c'est du Minecraft également, d'accord, des maps trolls, etc. D'accord. Et juste en dessous, nous avons monsieur 2012 en pamment. What the fuck? Alors, voyons voir ça. 120 000 abonnés, pas mal. Oh là là, ça sent le truc de jouer chelou, non? Non, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, donc apparemment, c'est des spectacles de plein air, ok, pourquoi pas. Je vois pas pourquoi t'es abonné à ma chaîne, en fait, mais pourquoi pas. On va voir un peu les plus populaires. 6 millions de vues! Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Et c'est des spectacles de Power Rangers. C'est le Japon, faut pas chercher.
Et je découvre de ces trucs, entre mes désabonnés qui font le buzz sur des vidéos de Power Rangers et des abonnés qui se plagient mutuellement des miniatures, on aura tout vu. Bon du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, enfin on va s'arrêter là pour le moment. Si vous en voulez d'autres, eh bien dites-le moi dans les commentaires et faites péter les pouces bleus. Je vous donnerai pas d'objectif, hein, c'est un petit peu dépassé. En tout cas je compte sur vous si vous voulez une suite où on pourra découvrir bah, les youtubeurs français. J'espère qu'on aura une réponse sur ce mystère par rapport au plagiat mutuel de miniatures. En attendant merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vous avoir amusé. Et sur ce les amis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo demain pour un nouveau Pokémon News. D'ici là, portez-vous bien, hi-fi.